Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course, comme chaque semaine. J'étais partie chez Leclerc La Réserve, sur Sainte-Marie. Pour ceux qui vivent à La Réunion, vous connaissez, c'est où. Et j'en ai eu pour 300 euros et quelques. C'est une course d'une semaine et un petit peu plus. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Soraya, j'aurai bientôt 35 ans et je suis maman de 6 enfants. Je vis en couple, donc on a 3 chats. Aujourd'hui, on n'a rien acheté pour les chats, mais voilà, donc j'ai 6 enfants. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on commence par les patates douces, j'arrive pas à trouver les prix, mais voilà. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre, donc ça, c'est la dimanche ville. Il y a dans chaque filet, je vais vous dire ça, 2,5 kg et le prix est de, j'essaie de trouver, 5,99 €. Donc deux filets, j'ai pris deux filets, donc ça coûte 11,98 €. C'est juste là. Ensuite, j'ai pris des chapelures de la marque Tipiak. Alors c'est ici, c'est à 1,68 €, donc les deux c'est à 3,32 €. Ensuite j'ai pris ça, donc de la farine pour faire ça. Je sais pas si c'est de la farine, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est pour faire l'épanure. Et c'était à, je pense que c'est ça, c'est la farine japonaise. C'est à 3,74 €. Ensuite le sel, je crois c'est à 95 centimes, si je me trompe pas, 88 centimes. Le sel à 1 kg, celui-là. Ensuite j'ai pris des pâtes Eco Plus Torsade, le kilo est à 2,70 €, c'est juste là. Et ensuite des petites pâtes Alphabet que les enfants adorent, enfin c'est plus les petits qui adorent ça, hein. Et c'était à 1,97 € les 500 grammes. Donc j'ai pris 1 kg. Donc c'est à 3,94 €. Voilà. Ensuite des dattes. Moi j'adore les dattes. C'était à 1,80 €, je sais plus. Voilà, 1,95 €. Donc j'ai pris 3. Les pitons de neige. Donc le yaourt nature. Comme d'habitude, on prend le yaourt nature. Pitons de neige. Je crois que c'est ça. C'est à 3,75 €. Donc j'ai pris 2, j'arrive pas à trouver l'autre, c'est sûrement dans le sac en bas encore. Ensuite j'ai pris du riz, cette fois-ci Lotus 10 kg, grain long. Je ne l'ai jamais essayé ou je ne sais plus comment c'est. Donc c'était à 11,55 € les 10 kg. Ensuite j'ai pris du Candia demi-écrémé, j'en ai pris 8 je crois. Donc 6 fois 1 litre, c'est à 7,08 €. Donc c'est 1 € et quelques le litre. Voilà. Ensuite, là, il y a le lait de soja et le lait de riz. Ça, c'est pour... Ça, c'était ma soeur qui les a achetés. Donc je ne connais pas les prix. C'est pas dans cette facture-là. Donc voilà. Ah oui, il y a les farines. Donc farine ménagère bleue. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, pour moi, c'est le bleu. Et c'était à... 88 centimes l'un, donc j'ai pris 5 kg. Voilà, donc l'huile ensuite, c'est le dernier qu'il y a sur la table. L'huile, donc c'est l'huile de tournesol de Bourbon. Et le prix, je vais vous dire tout de suite, c'était à 2,80 €, donc j'en ai pris 2. Voilà, je passe à la suite. Ah, l'essuie-tout de la marque Soleil. C'était à 4 €, je crois. Ah non, 3 €. 3,02 €. Voilà, je vais ranger tout ça et je passe à la suite. A tout de suite. Alors, je continue. Là, on a dit beurre. C'était à 2,50 €, je crois. Je trouve que c'est pas trop cher. Ça s'aligne avec ce que j'ai l'habitude d'acheter, le plantafin. Celui-là, c'est à 500 grammes. J'en ai pris 3. Le chocolat, donc la pâte à tartiner. C'est de la marque Poulain. C'est à 6,96 €. Ensuite, les brioches. Donc, les brioches, c'est de la marque Yami. On en a pris 7, je crois. Alors, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est à 3,25 €. Donc, les 6, c'est à 19,50 €.
Ensuite, les compotes, on en a pris 24, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 4, 24. C'est de la marque Eco Plus. Alors, c'est à 96 centimes. Donc là, on dirait qu'il y a un autre. Ah, ils n'ont pas bien regardé. Moi, je voulais prendre juste les 96 centimes. Mais les enfants ont pris donc ceux à 1,22€. Après, ça reste quand même moins cher que les petites gourdes. Hein. Mais voilà. Donc là. Ensuite, pour les fruits, franchement, je ne vais pas vous dire combien de kilos il y a. Nous, on fonctionne avec le nombre. Donc, je pense que les oranges, il y a 9 x 3, 27. Les pommes, pareil, 27. Les mandarines, normalement, il y a 27. Mais je pense qu'il en manque là. Après, il y a encore des sacs qui ne sont pas sortis. Les poires, il y en a 9, je crois. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, bah du coup, les poires, normalement, il y a 18. Oui, il y en a un petit peu aussi ici. Alors, je vais vous donner les prix. J'étais pas partie chez Bourbon Fraîcheur parce que ça m'arrangeait en fait de tout faire à Leclerc. Donc les oranges c'est à 1,99€ le kilo, les mandarines c'est à 2,99€ les kilos, les poires c'est à 2,95€ les kilos, les pommes gala c'est 2,49€ le kilo. Voilà, les raisins, parce que là il y a des raisins. C'était à 2,99€ le kilo. Donc là il y a 1,6 kg, regardez comme c'est peu. Et pourtant, là, il y a 1,6 kg et ça coûte quand même 5€ les 1,6 kg. Les dates, je vous ai déjà dit tout à l'heure. Les tomates, donc ici, il y a là 1,2 kg. Le kilo, c'est à 4,99€ qui est là. Les l'ail en vrac, donc là, il y a 8. L'ail en vrac, c'est à... 5€ le kilo, 5,99€. Et là, il y en a pour 2,35€. Les chouchous, mais c'est pas là encore, mais je vous montrerai après. Après, j'ai pris aussi du sucre de la marque Mascara. Hein, c'est la marque Réunionnaise. Alors, c'est à 2,56€ les 2 kilos. Franchement, je trouve que c'est pas cher par rapport à tout ce qui est étalé là-bas sur le rayon. Ensuite, j'ai pris deux jus Diego. Moi, j'adore le jus Diego. Les enfants aussi, même si on ne le prend pas souvent. 2 litres, comme vous voyez là. 2 litres de l'orange, c'est à 3,07€. Et ceux de Exotique, qui est là, c'est à 3,11€. Après, le lait, je vous ai déjà montré tout à l'heure. J'ai pris également du fromage vache qui rit, format familial. Donc, il y a 32. Je vais vous dire ça, je ne retrouve plus le prix. Alors, c'est à 5,26€. Voilà. Alors, le lait, tout à l'heure, je vous ai dit ou pas, c'est 1,29€ quand on achète par pièce. Et c'est à 7,08€ les 6. Donc, je n'ai pas fait attention. Parce qu'en fait, j'ai demandé aux enfants d'en prendre. Mais peut-être qu'il y a une différence entre les deux. Je ne sais pas. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Ensuite, j'ai pris du pain comme ça. Donc, du pain au seigle. Là, les 250 grammes, c'est à 1,80€. Donc là, le kilo est à 7,20€. Donc, c'est des pains comme ceci. Moi, j'aime bien le manger. Donc là, c'est à 1,80€. Ensuite, ici, il y a 400 grammes, donc 1,99€. Celui-là, le kilo est à 4,98€. Donc, je pense que je me suis trompée, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. 4,90€ le kilo. Alors que ici c'est écrit 7,20€. Alors que la quantité. Bon, j'ai pas bien regardé la différence. Celui-là c'est à 5,13€ le kilo. Et là il y a 400 grammes, c'est à 2,05€. Et enfin ici c'est 7,20€ aussi le kilo. Et là il y a 1,80€ qui est à 250 grammes. Et pourtant on dirait que c'est pareil. Là il y a 400 grammes et ça a l'air plus petit. Celui-là c'est à 400 grammes et ça a l'air plus petit que l'autre. Et même le poids, j'ai l'impression que c'est pareil. Mais bon, donc voilà pour cette partie-là et à tout de suite pour la suite. Et on passe à la dernière partie. Donc j'ai pris des chouchous. Alors c'était 90 centimes le kilo. Donc là il y a 2,5 kg. Il y a à peu près 3
Alors 3, 4, 5, 6, 7, 7 chouchous pour 2 kilos. Et donc ça nous fait 2,30 €. Ensuite j'ai pris de la salade Nova. Donc là, le prix c'est 99 centimes. Donc là il y a 2. Ensuite, le saucisse. Les saucisses, donc c'est des saucisses de porc standard McQueen. Donc le kilo c'était à 6,50 €. J'ai pris 1,6 kg. Ici, il y a l'escalope de poulet. 1,1 kg. Le kilo c'est à 11 €. Donc là, il y a 12,30 € d'escalope de poulet. Ensuite, des champignons de Paris. Donc là, il n'y a que des trucs qui se mettent dans le frigo et dans le congèle. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, les champignons, j'ai pris 2 sachets. Champignons émincés, le kilo c'est à 3,35 €. Donc les deux c'est à 6,70 €. Les macédoines, je sais plus où ils sont cachés. Ah, ils sont là. Alors les macédoines, là il y a 1 kilo, je crois. Oui, donc j'ai pris 2 sachets et les macédoines c'était à 2,48 € le kilo. Donc c'est 4,96 € les deux. J'ai pris également du chop suey. Donc 2 sachets, les 2 chop suey, j'arrive plus à parler. C'est à 2,50 € le kilo, donc 5 € les 2. Ensuite les frites, donc c'est de la marque Eco Plus, si je ne me trompe pas, oui. Donc là il y a 2,5 kg, donc 2,5 kg. Et c'est à 5,07 €, donc c'est quoi cette histoire, j'ai pris que un sachet, non? Pourquoi c'est écrit 2? Je pense qu'ils se sont trompés. Parce que moi, je n'ai pris qu'un seul sachet de frites. Et ils m'ont mis 2. Donc, du coup, ça devient à 10,14 € alors que normalement, c'est à... Donc, du coup, c'est à 5,07 €. Ensuite, donc, j'ai pris des gésiers de poulet à 1,59 €, comme vous voyez ici, 1,59 €, les 500 grammes. J'en ai pris 3, 1, 2, le troisième, c'est caché, c'est là. Voilà. Ensuite, ici, on a de l'échine de 2 kilos. Voilà, échine. Écoutez, je ne retrouve pas le prix, mais on continue. Donc, les hamburgers. Gamgel, je crois c'est ça. Gamgel, je sais pas. C'est à 8,90 € le kilo. Ensuite, les foies de bœuf, je sais pas si je vous ai déjà dit. Donc, c'est ici. Donc là, il y a 1 kilo. Les foies de bœuf, c'est à 5,37 € le kilo. Donc, j'ai pris 2 sachets. Voilà. Ensuite, j'ai pris également 2 sachets de chou-fleur et c'était à 2,53 € le kilo. Donc, j'ai pris 2, ça fait 5,06 €. Les haricots verts, 1 kilo. Donc, j'ai pris aussi 2 sachets et celui-là, ça m'avait coûté, je ne sais plus, mais c'est à côté, c'est là, 1,99 € le kilo. Donc, ça fait 3,98 € les deux. Pour les émincés de temps, j'ai pris 4. Donc là, il y a 360 grammes congelés, sans peau. J'ai pris 1, 2, 3, 4. Et c'était à 2,79 €. Donc les 360 grammes qui fait 11,16 € les 4. J'ai pris également du bread manioc. Donc je vais vous donner déjà le prix. 5,54 €. Bread manioc pilé. Donc ça, en fait, ce sont, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des feuilles de manioc pilées. Vous voyez l'image. Et c'est très bon. Mais j'ai complètement oublié d'acheter du lait de coco. Donc du coup, on fera avec ce qu'on a. C'est pas grave. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la partager. N'oubliez pas les likes, les partages. Et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Bisous.